Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Avec ma maman, on a décidé d'aller faire un petit tour à Action. Et comme vous, je l'imagine, quand on rentre dans Action, on ne ressort pas avec 1, 2, 3, mais beaucoup de choses. Et on en a toujours pour 40 euros. 50 même. Ça dépend de vous, mais honnêtement, ma mère, elle en a eu pour combien? 36, je crois. 40, moi j'en ai eu pour 40 aussi, donc à nous deux, 80 balles, on a un sac, on a des conneries, alors bref. Petit coup de gueule quand même, Action a augmenté son papier toilette, le prix du papier toilette est passé de 3,99 à 4 quelque chose. Oui, mais là, avant c'était 4 quelque chose, et maintenant c'est passé à 5 euros. 15. Non mais c'est juste abusé le prix, pourquoi? Le même quantité, il n'y a rien qu'à changer, hein, c'est... La folie du papier toilette, quoi, peut-être, je sais pas. Enfin bref, avec ma maman, du coup, on a vadrouillé un petit peu dans les rayons et on a trouvé des petites choses pour Noël. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ma fille, j'ai craqué pour un calendrier de l'Avent Princesse où il y a des petits produits de beauté, des petites panses à cheveux, des choses comme ça. Et avec ma mère, on a trouvé ceux qui sont pas forcément pour les garçons, mais en tout cas qu'on a pris pour mes garçons, qui sont à peu près la même chose dedans. C'est juste le packaging qui change. Hein. Une version 15, hein, c'est ça? Ouais, et une version pas de patrouille, mais à l'intérieur c'est à peu près la même chose, vous avez des crayons de couleur, des feutres, un taille crayon, des petits dessins, enfin, des petits gadgets, c'était autour de 2,99 je crois, hein. C'était... De toute façon j'essaierai de vous afficher les prix sur la vidéo quand je suis pas sûre de moi, et comme ça vous aurez les prix exacts, donc ça c'était les derniers quasi, et il en restait avec des princesses, où il y a le même principe, des stylos, des crayons, etc. Donc bon, c'est pas un truc de fou, mais ça leur fera un petit gadget, en plus de leur calendrier de l'Avent chocolat. On reste dans les petits accessoires de Noël. Ma mère a craqué pour des chaussettes de Noël, vous savez, un petit peu pilou-pilou. Nous, on aime bien mettre ça pour rester à la maison. Elles sont pas antidérapantes, mais voilà, pour qu'ils aient chaud pendant la nuit, on aime bien. Donc, on a pris 27-30, on a pris 31-34 et 31-34 aussi, comme ceci. Donc, comme ça, chacun de mes enfants ont deux paires. Donc, on est refait en chaussettes d'hiver. C'est trop cool. Ma mère a voulu leur faire un petit kiff, un petit cadeau. Alors ça je vais les mettre de côté je pense, et je vais pas tout de suite leur donner, hein. On va garder ça pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas elle leur a pris des petits chocolats comme ça. D'ailleurs ces chocolats là souvent ils sont bons chez Action. Et d'habitude j'en achète pour mon école, où c'est un gros paquet, où il y en a dedans au moins 25 par paquet. Mais là je les ai pas vus. J'espère qu'ils vont les mettre parce que c'est quand même pratique pour la classe. Et bon bref, en attendant, ça c'est pour mes crapauds. Et à l'intérieur vous avez 85 grammes. Donc chacun le sien, ça reste raisonnable pour avoir quelques petits chocolats. J'ai fouiné dans les petites décorations de Noël et j'ai trouvé celle-ci qui est trop belle. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je me dis voilà, dans mon sapin ça ira très bien. J'en ai pris qu'une, j'étais raisonnable. C'était 99 centimes donc pas cher. Il n'y avait pas 50 milliards de choix encore. Mais ça s'agrandit, hein, le rayon ça s'agrandit. Et toujours dans le rayon Noël, j'ai pris les fameux sacs de Noël comme ça. J'en avais déjà... Je pense que j'en ai 3 ou 4 à la maison, mais c'est vrai que quand on fait des gros cadeaux, moi j'ai plus envie d'emballer avec du papier cadeau qui va partir à la poubelle juste après, donc je les mets à l'intérieur, mais l'année dernière j'avais fait des gros cadeaux, et du coup bah, ça en prenait un en entier quasi, et j'avais plus de place pour les autres, donc là j'en ai repris, c'était autour de quelque chose, et ils sont sympas, voilà, c'est un petit gadget, mais c'est écolo, ça évite d'emballer. Je suis tombée dans un micro rayon Halloween où il restait que ça. Donc je l'ai pris parce que comme j'ai décidé de faire une petite décoration Halloween, bah ça va compléter notre petite décoration. Finalement je suis dégoûtée parce que je me suis réveillée après coup, il y avait une petite citrouille en verre illuminée Action, je l'ai vue 50 fois, j'ai jamais voulu l'acheter et maintenant qu'elle y est plus, j'ai envie d'acheter. Est-ce que ça vous arrive aussi? Bref, c'est pas grave, j'achèterai l'année prochaine. Hein. Mais voilà, là ça va être dans la petite déco d'Halloween. C'était pas donné, hein. C'était 4,80. C'est censé s'allumer, hein. Donc il y a des piles à mettre et je pense que le feu s'allume là. Et ici il y a une petite lumière aussi, donc j'imagine que ça s'allume aussi. On va voir, on testera tout à l'heure. Je vous montrerai ça sur Instagram. Ma maman et moi, on a craqué pour les leggings un peu collants en 100DN. 100DN, 2N, comment ça se dit? Ah, denier, voilà, merci. Et du coup, c'est censé être thermorégulateur, aider à la circulation. Et là, on a pris en XXL, donc il y en a. Moi, le mien, il est déjà ouvert. Ça m'a l'air d'être potable. Maman, tu vas falloir que tu essayes du coup pour voir, là. Ouais, j'ai essayé. Avant d'ouvrir celui-là. Ouais, mais la matière est très agréable, en tout cas. On revient sur Noël. Ma mère et moi, on a trouvé ça dans les rayons de Noël, les petits pèses. Donc pareil, ça, je vais leur donner. Est-ce que tu veux leur donner maintenant ou plus tard, quand ce sera Noël? On va attendre qu'Halloween passe, non? Ouais. Comme ça, on va leur donner après, mais bon, ça, on aime bien. En plus, mon fils, il les collectionne, il les met en haut de son étagère, il en a plein. Donc, ils sont tout mignons. C'était 1,40€, je crois.
Et pour finir, j'ai pris des bonbons pour Halloween, pour donner aux enfants qui viennent du quartier ou pour mes enfants. Voilà, c'est pour tout le monde. Donc là, c'est les fameux Mawam, hein, mythiques. On adore. Et c'était un grand paquet autour de 3,80€. Dans le rayon beauté, j'ai toujours pas trouvé les palettes que je cherche, mais j'ai trouvé celle-ci, qui est une palette d'highlighter, où il y a un highlighter plutôt rosé, un highlighter un peu cuivré et un highlighter champagne. On va tester ça là, juste avec les doigts pour voir ce que ça donne, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. En tout cas, tout rose, tout girly, c'est tout mignon. Des fois, ça vaut le coup, hein, le make-up action. Et là, voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt bien pigmenté. Regardez. Là, vous voyez bien, hein, c'est vachement bien pigmenté. Hein. Bah, dis donc, assez épatant d'ailleurs. Celui-ci est sublime, là, le champagne. Là, le cuivré est très beau aussi. Le rosé, j'avais un petit peu moins, mais pourquoi pas. La petite nouveauté, là, dans Action, c'était ce petit truc-là. Je les ai achetés. Ou c'est toi qui les as pris? C'est toi qui les as pris. Ma mère les a pris pour ma fille. Je pense que ça, je vais lui glisser pour Noël. C'est des petits trucs, des petits gloss. Elle adore mettre ces trucs-là, des petits gloss. En plus, ils sont un peu pailletés. Il y a différents goûts. Donc, il y a la cerise au caramel, au raspberry, donc à la framboise et au myrtille, je pense. C'est plutôt mignon, voilà, pour un petit cadeau, un petit gadget en plus pour une petite fille ou qui vous voulez. C'est sympa, donc ça c'est pour ma fille. Et puis pour mes élèves, j'ai pris ça pour faire des fameux vifs d'or. Il y en a 24 à l'intérieur et du coup on va pouvoir faire rajouter des petites ailes. Et puis ils vont repartir à Noël avec leurs petits vifs d'or à mettre dans le sapin. J'aime bien faire ça avec mes élèves, ça coûte pas cher, hein, c'est un petit gadget. À la base, on est parti chez Action pour ça. Des sacs à couches. Oui, alors mon fils est quasiment propre, mais la nuit il fait encore ses petits caca. Et du coup, et ben, ça manque hein, quand même, parce que bon, vivement qu'il aille aux toilettes pour ça. Hein. Il veut pas encore le faire, mais c'est casse-pied. Mais du coup, j'ai repris des sacs à couches, parce que ça, ça reste mythique et essentiel pour nos poubelles, hein, pour le bien-être de la maison. Et pour ma fille et mon grand Oran, mon fils, je leur ai pris des carnets de feuilles blanches parce que sinon ils piquent les miennes que j'utilise pour imprimer et ça me casse les pieds. Donc comme ça ils ont chacun leur petit carnet pour faire leur coloriage, leurs dessins, leurs avions en papier, tout ça et tout ça. Je sais que c'est pas extrêmement écolo, mais voilà, hein, malheureusement, sinon ils utilisent mon papier à moi qui est pour ma classe et c'est fatigant. Donc j'en achète pas souvent, mais là j'en avais besoin pour les vacances. Comme j'ai un nouvel iPhone, je me suis repris l'espèce de petite ampoule. Vous trouvez ça chez Action pour 1€. Vous le mettez sur votre téléphone et après vous pouvez tenir votre téléphone avec un doigt ou positionner votre téléphone un peu comme vous voulez. Ça tourne dans tous les sens. Moi j'aime bien avoir ça sur mon téléphone, donc là je vais le rajouter à ma coque de téléphone. J'ai pris aussi une petite plante qui a l'air vraiment fausse, mais bon, ça fera l'affaire. C'est parce que je trouve que ça manque un peu de verdure dans mon salon, donc je voulais rajouter... rajouter un peu de plantes, mais je suis très très nulle en jardinage. Toutes les plantes elles meurent chez moi, donc bah écoutez, on va voir si ça fait l'affaire. Est-ce que ça fait illusion? Alors, de loin ça passe. Et ma mère, elle avait absolument eu des idées en tête. Je sais pas, est-ce qu'elle part dans deux jours, mais est-ce qu'elle aura le temps de faire ses idées? Elle voulait faire des petits gâteaux en mode Halloween pour les enfants. D'ailleurs demain on va faire pour garde pour d'autres accessoires. Donc elle a pris pour réaliser des sortes d'araignées en gâteau, elle a pris des Oreos comme ça noirs, et elle a pris pour faire des sortes de têtes ou même des toiles d'araignée, il y avait, non? Oui. Des toiles d'araignée, tout ça, elle a pris ces gâteaux-là, pareil pour tenter. Il nous manque l'espèce de crème noire pour pouvoir faire des dessins là-dessus. On verra si ma mère elle y arrive. Et pour avoir des espèces de petites têtes, elle a pris les petits yeux comme ça que vous trouvez chez Action, que vous pouvez mettre un peu partout, hein, donc qui se mangent. On va essayer, hein. Rendez-vous sur Instagram pour voir le résultat, mais... Ouais, ça va être sympa, Pierre. Ça va être sympa, elle est motivée ma mère. Et elle a pris pour les enfants des petits chocolats comme ça en pièces. Alors elle voulait des pièces de monnaie mais il n'y en avait pas, donc elle a pris des billets. Billets de 100, billets de 50, etc. Donc ça va leur plaire, ça ils seront contents. Voilà pour notre trouvaille chez Action. Alors rien de foufou, hein. Il n'y avait pas des rayons hyper intéressants je trouve. Mais on commence tout doucement les achats de Noël. J'ai pas encore acheté les cadeaux de Noël et tout, mais ça ne serait tardé. En tout cas, je commence à y réfléchir. Dites-moi vous aussi si vous commencez à y penser, si... vous êtes encore loin de Noël. Je vous avoue que moi j'ai du mal à mettre dedans parce que je suis encore dans l'automne et Halloween, mais il faut que je le fasse tout doucement. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez commencé, si vous avez terminé, si, dans quel mood vous êtes. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très prochainement. Allez, salut !